Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes activités pendant le confinement, aussi bien le télétravail que mes loisirs créatifs, la cuisine. Je vais vous montrer que j'essaie d'occuper le plus possible mon temps, car bien sûr, comme on le sait tous, il faut vraiment rester chez soi à l'heure actuelle. C'est super important et autant bien s'occuper pendant cette période et profiter de ce temps en fait pour faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire habituellement. Donc, on se retrouve de suite pour vous montrer toutes mes petites activités. Je vous fais un gros bisou. Allez, à tout de suite. Déjà pour commencer, mon télétravail, bien sûr je continue à travailler, donc je me suis fait un petit espace, d'habitude c'est là que je fais mes colos, donc là j'ai mis tout mon travail, ça prend beaucoup de temps, donc je fais les horaires habituels, mais bon, on n'est quand même pas trop mal installé. Allez, on continue. Donc une fois que j'ai fini mon télétravail, j'ai continué mon diamond painting que Roger m'avait offert. Ça faisait un moment que je l'avais pas repris, j'avais pas assez de temps et puis voilà, je me suis lancée. Donc j'en suis à la moitié. J'ai trouvé, en fait, je me suis mise sur mon chevalet de peinture et franchement, c'est pas plus mal qu'être à plat. Ça fait super mal au dos en fait. Et voilà. Donc j'en suis vraiment à la moitié. Je pense que d'ici une semaine et demie, je l'aurai terminé. Donc celui-ci, vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo, c'est la peinture sur numéro. Ça m'a occupé pas mal de temps et franchement, je me suis vraiment régalée à le faire. Bon, le seul inconvénient, c'est que ça prend énormément de place, mais franchement, j'adore le résultat et c'était vraiment super sympa à faire. Une activité que j'aime beaucoup, c'est coudre. Alors, on va pas dire que je suis une super couturière, mais j'arrive à me débrouiller. Donc, j'ai commencé avec un vieux pantalon en fait que j'avais. Je me suis fait une petite jupe. Donc on ne voit pas forcément bien. Mais voilà, c'était un petit pantalon que j'avais. Je me suis dit, je ne le mets plus, il est un peu trop grand. Mais pourquoi pas se faire une petite jupe avec. Après mes activités, j'ai fait des masques. Alors, je tiens bien à préciser que ça ne remplace pas les masques que vous pouvez. Enfin, que nous sommes censés trouver en pharmacie. Mais bon, comme on n'a pas d'autres protections, mais je me suis dit c'est quand même beaucoup mieux que ne rien avoir du tout. Et je m'en sers essentiellement pour faire les courses. Une fois que je m'en suis servi, bien sûr, je m'en sers qu'une fois et je les désinfecte et je les lave bien. Mais bon, au moins, je me sens un peu plus en sécurité quand je sors avec ces masques. Donc voilà, donc j'en ai fait plusieurs modèles. Donc j'ai fait celui-ci. Après, j'ai fait ceci et enfin j'ai fait ce modèle-là. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, c'est pas des protections optimales, mais c'est toujours mieux que rien quand vous sortez. Et franchement, ça occupe bien mon temps. J'en ai fait quelques-uns pour mon mari qui travaille et j'en fais aussi pour mon papa et ma maman. Donc voilà mes petits masques. Et puis voilà, comme j'avais plus de ma machine à coudre, j'en ai profité pour me faire un petit cadeau. Hein. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas se faire de petits cadeaux. Donc j'avais commandé celle-ci et franchement, je suis super contente. Je vais pouvoir faire plein de petits trucs sympas pour le temps qui me reste en confinement. Et voilà, la dernière activité que j'ai reprise, ça faisait très longtemps que je n'avais pas colorié. J'ai recommencé hier et franchement, je me régale. Donc voilà, c'est mon petit encours que j'ai fait sur le livre. Jouen Kitsch, je ne sais toujours pas le prononcer, hein, donc c'est pas bien grave. Et que j'ai attaqué au Prismacolor. Donc voilà, j'essaie d'occuper aussi mon temps avec les devoirs du plus petit qui est en CM2. Donc ça me prend aussi pas mal de temps dans la journée. Et je vous montrerai en fin de vidéo mes petites recettes aussi. Je me suis mis à cuisiner. Donc j'ai fait quelques petits plats en suivant les recettes de Cyril Lignac que j'ai trouvé super sympa. Et bien le soir avec mon mari, on essaie de les reprendre. Et c'est quand même pas trop mal pour occuper son temps et manger sainement. Donc j'espère que vous aussi vous avez de quoi vous occuper. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites activités spéciales confinement. Je vous dis à tous à très bientôt. N'oubliez pas les gestes barrières qui sont très importants et restez bien chez vous. Je vous fais un gros bisou à tous. Ciao, ciao!